révision annuelle de la liste électorale et élections, les avis du KMF Kunoé. La révision annuelle de la liste électorale 2018-2019 sera clôturée le 15 février prochain. Ainsi, les citoyens en âge de voter n'auront plus que quelques jours pour s'inscrire ou vérifier leur nom sur cette liste. Le KMF Kunoé lance un appel à tous les électeurs de procéder à cette vérification auprès du Fouctand. Ce geste civique est d'autant plus important qu'il permettra aux citoyens de s'exprimer par la voie des urnes durant les prochaines élections. Le KMF Kunoé rappelle en effet que cette liste révisée, qui sera clôturée le 15 mai prochain, sera utilisée pour les élections législatives et municipales de cette année. Concernant la loi électorale qui régira les législatives du 27 mai prochain, le KMF Kunoé s'est montré prudent dans ses déclarations et a souligné qu'il est préférable d'attendre la publication de cette loi organique dans le journal officiel, loi qui, rappelons-le, a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale. Il est nécessaire de connaître les tenants et aboutissants de cette loi avant de se prononcer, selon Andoniana Adjiyamalazarei, président du KMF Kunoé. En revanche, il a incité les électeurs à effectuer un vote responsable et à soutenir un candidat qui sera à même de défendre les intérêts des personnes qui l'ont élu à travers les lois qu'il va aider à adopter.